Una mañana de mayo de 1833, Stéphane Guénaud, un antiguo soldado del ejército imperial que estaba en México, llega a Champlit en la región de Haute-Saône. Reunido con sus compatriotas en el salón de tapices murales del castillo, Guénaud pronuncia el discurso siguiente. Le gouvernement français est disposé à favoriser la formation d'établissements coloniaux agricoles afin de développer l'agriculture au Mexique. Fort de cet appui, et encouragé par 8 années d'observation continue, je viens engager les possesseurs de capitaux, les propriétaires et surtout les cultivateurs et les ouvriers à prendre part dans une entreprise qui consiste dans l'exploitation d'une terre encore vierge. La terre dont il s'agit porte depuis des temps immémoriaux le nom de Ricaltepec, terre d'argile. Située entre Veracruz et Tampico, elle est baignée par le Rio Nautla et jouit d'un climat fort beau et très sain. On n'y connaît aucune maladie endémique, ni contagieuse. L'air y est très pur et la chaleur modérée. Tous ceux admis comme colons seront logés, nourris et recevront un salaire annuel proportionné à l'importance de leur service. Sachez que le succès de l'entreprise que je propose est infaillible et que cette entreprise procurera des avantages bien plus grands qu'aucune autre. Stéphane Guénaud, nativo de la región, había ya convencido a los accionistas para lanzarse en la aventura, habiendo creado los días precedentes la Compañía Francesa Mexicana. La población de Champlit, y en especial los viticultores, vivían en condiciones económicas particularmente difíciles. La promesa de una vida mejor, preconizada por las ideas socialistas de Fourier, de las cuales se declaraba Guénaud, sedujeron a más de uno. Depuis ma tendre enfance, je voyais mon père à la lampe à pétrole en train d'écrire sur des documents, sur un petit registre, les souvenirs que les plus anciens pouvaient lui transmettre. Sur un vieux registre de 1833, le registre de la commune, mon père avait découvert la liste de ceux qui partaient au Mexique qui disaient entre 1833 et 1835, quitter le royaume de France pour aller vers Chicaltepec, dans l'état de Veracruz, au Mexique. On était là tout de suite après l'indépendance du Mexique. En las bodegas de los viticultores, los candidatos al exilio, 9 familias y 3 solteros, se reunieron por última vez. Había que pasar revista para no olvidar los utensilios, las herramientas, las semillas básicas y las provisiones de pan preparadas para el largo viaje que se anunciaba. La mayor parte de los colonos salían por primera vez en sus vidas de la región, sin saber si volverían a ver algún día su tierra natal. A las 39 personas de Champlit que tomaron la ruta, se unieron en Dijon otros aventureros, así como los fundadores de la compañía. Después de un mes de viaje en carretas, los 98 colonos llegaron al puerto de Le Havre, desde donde partieron con destino a Veracruz en el buque Aigle Mexicain. La única historia contada de la salida del Havre es por mi bisabuelo Carlos Estivalet, que llegó con su familia, salió del Havre en agosto de 1853. Y después salió el Havre, tardaron 2 meses en llegar a Nautla. Les tocó problemas porque estaba el vómito negro en Veracruz y no los dejaban bajar, los cuarentenaron. Y después, posteriormente, salieron a Nautla, lograron desembarcar en el río del Palmar, que es este río de Nautla. Y ahí en Nautla, ahí estuvieron para poderse trasladar a Jicaltepec. Pues tardaron, creo, 8 días o algo. Pero sí fueron, lo considero, héroes por haberse quedado. Por venir del frío y quedarse en una tierra tan caliente, ¿no?
Notre traversée fut dure, nous avons été malades, mais maintenant nous sommes installés, nous sommes très heureux. Grâce aux attentions de notre médecin, grâce aussi au climat sain et au repos, avec la joie d'être arrivés, nous avons pu oublier rapidement nos fatigues. Alors pour ce que nous avons observé, la terre est fertile. Les colons qui sont arrivés ici avant nous, nous l'ont confirmé. Nous attendons d'autres colons, nous vous attendons. Et puis, il y a une lettre qui arrive par l'intermédiaire du consul de France au ministère des Affaires étrangères. Et voilà ce qui est écrit. Les symptômes de désunion qui se faisaient déjà percevoir pendant qu'ils étaient ici ont progressé. Ils nous ont dit que le mécontentement est à peu près général de n'avoir trouvé à Chicaltepec d'habitation ou cabane que pour 5 ou 6 Français, alors que M. Guénot leur avait assuré de la manière la plus positive qu'il y en avait pour tout le monde. On s'effraie des nouveaux travaux, des peines, des privations qu'il faudra supporter. Bref, le risque, c'est de traiter ces colons en esclaves de Saint-Domingue. En 1836, el sueño terminó convirtiéndose en una pesadilla. Los colonos, que se consideraban enganados, obligan a Stefan Guénot a abandonar la colonia. Guénot desapareció una noche, no olvidando llevar consigo los títulos de propiedad. 2 años más tarde, Francia ataca el fuerte de Veracruz, defendido por el general Santa Anna, a causa de una deuda reclamada al gobierno mexicano. Se da la orden de expulsar a todos los ciudadanos franceses y las tierras de Chicaltepec entran en litigio. El general Santa Anna, cuando la intervención francesa, lo fueron a ver los franceses de la colonia, iban tan derrotados, tan pobres y tan derrotados, que los vio el general Santa Anna y se compadeció de ellos. Y le dijo, bueno, ¿ustedes qué quieren? Pues queremos saber qué va a pasar con nosotros. ¿Quieren batallar? No, nosotros no somos militares, nosotros somos agricultores. Pues entonces, ¿qué hacen aquí? Dice, regresen a sus campos, regresen a su tierra y váyanse a cultivar la tierra, que esto es una guerra política, no tiene nada que ver con ustedes. Qué gente tan trabajadora. Los señores iban tempranito a su trabajo, a limpiar los cacautales, los naranjales, el café y todo lo que sembraban. Y las viejitas, con unos zapatos de palo, iban a ordeñar las vacas. Las viejitas ordeñaban las vacas y los señores, las vías que en sus banquitos se sentaban y ya están ordeñando a las vacas, las viejitas. De naguas largas, no como uno que anda ahora bien decente de naguas cortas, y que anda uno ahí, no. Las viejitas con sus naguas casi arrastrando y sus cuellos aquí, apretados hasta arriba, las francesitas. Se cuidaban mucho, no sé por qué. Los franceses de acá de la colonia no querían los mexicanos. Y aquí en el pueblo, los que llegaron buscaron puras mexicanas. Mi mamá era indita, yo no se los niego, porque era Hernández, se llamaba Agustín Hernández, y esa se juntó con mi papá, y vivieron hasta que lo mataron, porque si no, él hubiera seguido viviendo. Como consecuencia del fracaso de Francia en su tentativa de conquistar México y de la caída del emperador Maximiliano en 1867, la colonia se fragiliza y ve su comercio arruinarse, con lo cual la legalidad de las tierras de Chicaltepec se pone en cuestión de nuevo. Al desaparecer el Guénot, que era el que los había traído, un cacique Acosta vio que se podía quedar con los terrenos y los empezó a hostigar por los terrenos, ¿no? Y llegó en ese momento Rafael Martínez de la Torre, que fue el defensor de oficio de Maximiliano, les ofreció los terrenos del Zopilote y algunos colonos empezaron a comprar y se pasaron a este lado del río, al lado que hoy es San Rafael. En 1880, una gran parte de los colonos se instala en la orilla opuesta de Chicaltepec, atrayendo así a otros colonos que llegan desde la región de Franche-Comté, de Borgoña, de Savoie y de los Pirineos. Pero estos nuevos colonos son sobre todo comerciantes. La colonia llegó a contar en ese momento cerca de 3.000 habitantes de origen francés. La colonia conocerá una época de concordia civil y de relativa prosperidad económica hasta finales del siglo XIX.
las ideas socialistas se olvidan y la adquisición de títulos de propiedad por los colonos mismos permitirá que los agricultores prosperen gracias a la explotación de tabaco, de cacao, de plátanos y de ganado bovino. On a aussi le temps de la vanille. Mm-hmm. Et, c'est une photographie que j'aime beaucoup, c'est le séchage de la vanille, où on voit un certain nombre de descendants qui sont ici, parfois assez grands, hein, où on voit le temps de prospérité de San Rafael. C'est moins vrai pour aujourd'hui. Il y a eu aussi le temps de l'eau de vie avec la canne à sucre. Je pense à cette jeune fille qui est originaire du village à côté de Margillé, dont la famille est partie en même temps que la tienne. Alors, il y a aussi, bien sûr, le temps des bananiers. Voilà Carlos Stivalet, mais aussi Paul Capitaine, avec ses deux immenses régimes. Les deux régimes. Il faut dire aussi qu'autrefois, quand le photographe passait, on s'habillait volontiers comme en Europe. Hein. Et cette dame, Stivalet, est originaire de Champlit, comme avec sa sœur et son frère, mais ils habitaient en face du château. Et puis, puisqu'on parle de famille, j'ai fait un peu de recherche sur les origines des capitaines, donc de la famille de ma mère. Bon, j'essaie de reconstituer un peu l'histoire de cette famille. Mm-hmm. Et j'ai trouvé dans votre livre justement des informations sur Nicolas Capitaine, sur son départ. Un jour, j'ai retrouvé plusieurs listes de bateaux, hein, qui sont partis vers le Mexique. Et j'ai retrouvé Nicolas Capitaine, donc ton ancêtre, hein, 22 ans. Né à Nevel, qui était maçon et qui est parti au Mexique. Il est parti sur le Paraguay. Et il avait été entraîné d'ailleurs par un colon qui était revenu. Donc on peut dire que c'est le sentiment de famille qui a construit cette communauté. Ah ben ça c'est évident, ouais. et on voit de très grandes familles. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont partis à 7-9 enfants. On voit aussi des enfants qui meurent sur le bateau en 1835. Mais je pense que c'est ce premier élément familial qui fait que l'on tient sur un endroit. Les Français, ils n'étaient pas fanatiques. Le Mexique, oui, il était fanatique. Il avait obligé les Espagnols, plutôt la religion. Il était ignorant, il était facile. Mais les Français, là, ils avaient des autres idées. Là, il y avait eu la Révolution, vous savez. Il y avait beaucoup de grandes personnes qui écrivaient en France, puis ils avaient des autres idées. Puis on peut dire que les Français qui ont venu ici, ils avaient beaucoup d'idées neuves de la France. Victor Hugo était maçon, non? Et alors il était un grand ami de Benito Juárez, surtout quand il a triomphé dans la guerre, non? C'est le premier qui est arrivé, la première félicitation qui est arrivée au Mexique. C'était Victor Hugo à son ami Benito Juárez. Le voy a decir en español, para vencer el ejército más poderoso del mundo, bastó un pueblo. Y para dirigir ese pueblo, bastó un hombre que fue Benito Juárez. Es la primera felicitación que ha vivido el extranjero, se ha hecho de Victor Hugo a presidente de la República. Il y a eu l'événement guerre de 14 où les hommes, théoriquement, qui sont français, ils sont 80 à ce moment-là à San Rafael, ils doivent revenir faire la guerre. Puis en même temps, il y a la révolution mexicaine, puisqu'elle commence en 1910, elle se termine en 1923. Alors, ce double phénomène
va beaucoup marquer la communauté française à San Rafael, puisque les hommes vont dire « Nous, on est en période d'insécurité, il faut qu'on reste dans nos fermes, qu'on s'occupe de nos familles puis de nos champs. Donc nous, on ne peut plus venir en France pour combattre à la guerre de 14. » Et c'est là qu'ils ont décidé aussi d'être mexicains. Je vais vous dire une histoire. Quand la guerre du 14, comme il y avait de communication par le vice-consul, il faisait, nous, quand on était ici, il nous faisait annoter comme français et puis comme mexicain. On avait les deux nationalités. Alors là-bas, il avait vu la France, il y avait une colonie, il y avait beaucoup de garçons qui pouvaient aller à la guerre, non? Alors il a envoyé un bateau de guerre qui vient à la colonie pour voir qui voulait aller à la guerre, non? C'était un grand bateau qu'il n'a pas pu rentrer, il a resté là-bas dehors, non? Il a rentré avec les chaloupes. Et puis il a commencé à voir le vice-consul, puis il ramasse l'argent. Puis il n'y en a pas eu qui l'ait dit, moi je veux aller. Non, non, il n'y en a plus français, on n'est plus français. Le gouvernement français, par ses intermédiaires, donc ambassadeurs, n'est pas du tout content de la position de Chicoltepec San Rafael. Et en 1916, son agent consulaire, Alphonse Roussel, doit abandonner ses responsabilités. Le consulat est fermé et tous les documents doivent repartir vers Veracruz. Aquí se encuentra el museo que comenzó hace 13 años. Cuando yo perdí a mi suegro, este museo no existía, pero al faltar él, mi desesperación fue tan grande que quise rescatar sus recuerdos a través de sus objetos. Y yo me he dedicado a eso, a buscar piezas perdidas, cosas que están abandonadas. Yo fui a recoger esto en un gallinero de una vecina y me dolió, hasta el alma me dolió, ver dónde estaba esta pieza. Que se esté deshaciendo así, a mí me duele. Me duele porque cada pedazo que se le cae, siento que es un paso al olvido. Pero sí quisiera que la gente le nazca la ilusión de guardar y atesorar, y no nada más atesorarlo, sino mostrarlo. Que la gente lo conozca, que la gente sepa quiénes somos. Nacidos en México, pero que también tenemos sangre de un lugar que está muy lejos de aquí, pero que también tenemos. Je mets l'original au tableau et puis je vais vous distribuer donc pas aux deux tables la photo en photocopie, d'accord? Bambou, Charlotte, écoutez, il en reste encore une, voilà. Donc vous regardez un petit peu la photo, tout d'abord. Est-ce que ça vous inspire quelque chose de voir une photo? À quoi ça peut vous faire penser? De quoi s'agit-il? Oui, Laura. Une photo de classe. Oui. De classe mexicaine et puis de Champlit. Ah, alors, Ophélie. C'était autrefois. Ah, c'est une photo de classe d'autrefois. Alors, cherchez-moi à voir tous les petits indices qui vont nous montrer que c'est une ancienne photo. Alors, Miouette. Il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Je ne comprends pas tout à fait. La couleur de peau, c'est pas tous pareil. Tous ces enfants n'ont pas la même couleur de peau. Orlane. Ils n'ont pas la même origine. Ils n'ont peut-être pas la même origine, oui. Qui sont ces enfants? C'est peut-être les Chanitois qui ont été au Mexique et qui sont pris en photo. Qu'est-ce qu'ils auraient de commun, tous ces enfants? Ce seraient lesquels, oui? Ben, c'est ceux qui ont la peau un peu plus claire que les autres. C'est ceux qui auraient la peau claire, oui.
On ne sait pas si c'est les enfants qui vivaient à un moment donné à Champlit et qui viennent de déménager et qui arrivent au Mexique, ou si c'est des enfants ou des petits-enfants de personnes qui ont immigré. Vous comprenez ce que je veux dire, Benjamin, Geoffrey, Charlotte, San Rafael? Décembre 1912. L'instituteur M. Paul Mutin, né à Dijon, Côte d'Or, entouré de ses élèves. Il enseignait la langue française et la langue espagnole. Paul Mutin, quien fue el último maestro enviado desde Francia, regresó a la metrópoli y la lengua francesa dejó de enseñarse en las escuelas. De la persona que compró los terrenos de la ribera izquierda del río y los vendió para establecer a los franceses en las dos orillas del río. En 1930 cambió el nombre de Sopilotes a San Rafael. Les liens avec Champlit reprennent en fait d'une façon originale. Ce qui marque, c'est l'arrivée d'un Mexicain, Paul Capitaine, originaire du village de Margillier, un homme grand qui avait vraiment une grande prestance. Il traverse la route pour aller au château et sur sa route, il rencontre un cultivateur qui revenait des champs, qui s'appelait Eugène Stivalet. Et il lui dit, il fait beau, je de. L'autre lui dit, qui vous êtes? Vous n'êtes pas de Champlit, parce que son costume montrait qu'il était d'autre part. Et il a dit, je suis Paul Capitaine, et je viens voir le pays de mes ancêtres. Mon grand-père est parti en 1856. Alors Eugène Stivalet a dit, faut que vous voyiez le bébert, c'était mon père, parce que lui doit savoir quelque chose de l'histoire. C'était en mai 1956, et Paul Capitaine a donné $200 pour que nous commencions une salle. Et c'est le premier donateur du musée, et donc un Mexicain. Cette rencontre de Paul Capitaine a été bien sûr très importante pour nous, et d'abord pour mes parents, parce qu'il nous a redonné l'adresse de la famille de maman, qui était partie là-bas, la famille Guichard, qui était partie aux alentours aussi de 1856, pour que nous reprenions relation. Et effectivement, il y a eu les premières lettres. Et moi, j'ai un souvenir un peu particulier, parce que la lettre reçue, elle a un parfum de vanille. Alors, est-ce que c'est la psychologie, me dira, mais c'est quelque chose de très émouvant. Une lettre qui vient du Mexique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En 1986, Jean-Christophe Demar fue el iniciador de un convenio de hermandad entre Champlit y San Rafael Ricaltepec,
Asimismo, el primero gesto del departamento de Hudson fue enviar varios artesanos para construir la Casa de la Cultura de San Rafael. Nous appelons Yvonne, Raquel et Margot. Nous avons 12, 13 et 14. Nous habitons dans l'état de Veracruz, dans un village qui s'appelle San Rafael. Nous vivons à bord de la mer. Nous cultivons beaucoup les bananes, les oranges, les citrons, les ananas, les pastèques, les vainilles. Ahora, a las dos, ¿hace cuánto tiempo que estudian el francés? ¿Tú, Raquel, hace cuánto tiempo? Desde septiembre. Ajá. ¿Y tú, Ivonne, hace cuánto tiempo? Algunos años, ¿no? Algunos años. ¿Cuántos? Como cuatro. ¿Cuatro años? Cuatro. Ok. Ahora, ¿por qué decidieron de aprender el francés? ¿Tú por qué decidiste este año, por ejemplo? Porque, pues, como la teacher estaba haciendo grupos para ir a Francia, pues, yo quiero ir a Francia en algún otro, en otro viaje que vaya, y pues... En el próximo viaje que se hace, ¿quieres ir? Y, pues, también porque mis antepasados vinieron de ahí. Uh-huh. ¿Y tú por qué decidiste? Yo también por lo mismo. Bueno, yo cuando entré aquí... hace mucho tiempo. Ajá, porque, no sé, quería aprender otro idioma. Bueno, mi mamá quería que yo aprendiera el francés, para que así cuando fuera grande ya supiera algunos otros idiomas. Y también me gusta ahorita porque quisiera yo ir a Francia. Ok, gracias. Después del acercamiento oficial de las dos comunidades, el interés por la lengua francesa se ha despertado y cada año el departamento envía un maestro a San Rafael y a Jicaltepec. Sé que mi abuelita, la esposa de mi abuelo, es Millot. Millot, y me contaron que de la parte de la historia, mi tatarabuela nació en el barco de venida de Champlí de aquí a San Rafael. Y que ella nació en ese trayecto y que no ni fue nacionalizada francesa ni mexicana. Bueno, sí fue nacionalizada mexicana, pero no nació entre los parámetros ni de Francia ni de México. Yo vine a San Rafael porque vine a Patología, que es un centro de salud animal, donde yo vine a hacer mi servicio por un año y mi tesis. Pero me encontré aquí una persona, que es mi esposo ahora, que su familia desciende de Francia, de Champlí. ¿Y qué apellido es? Ah, él es Meunier Pumarino. Pero tiene familia en Champlí, que es Henriot. ¿Henriot? Su tío es don René Henriot. Y por eso a mí me gusta venir a clases, porque vinieron los hijos de don René. Y era como que angustioso no saber cómo comunicarse con ellos. Yo sabía que mon arrière-grand-père avait vécu quelques années au Mexique. Je ne l'ai pas connu, mais mon père avait été élevé par lui et m'avait appris qu'il y avait une montagne au Mexique qui s'appelait Popocatépetl, si bien que quand j'avais 6 ans, je connaissais pas le Mont Blanc, mais je connaissais le Popocatépetl. Et pour la famille, c'était symbolique. On savait que quelqu'un avait été autrefois au Mexique. Puis c'est tout ce qu'on savait. Et j'ai retrouvé ici des listes des gens qui sont partis avec le bateau en 1858. C'est-à-dire mon arrière-grand-père et sa mère qui sont partis s'installer à Jicaltepec. Mon arrière-arrière-grand-mère était donc laitière. Mon arrière-grand-père est indiqué comme mineur. Ça veut dire qu'il n'avait pas 21 ans. Donc il était installé à Jicaltepec. Puis après à San Rafael. Mais il a pas dû s'y plaire, et puis, elle était veuve, donc ils sont revenus, quoi. Il est revenu cultiver sa vigne à Champlí, les vignes qu'il a abandonnées pendant quelques années. Là, il y a un trou aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il devait y avoir des cousins qui ont entretenu la vigne pendant un certain temps, ils ont dû les louer. Puis après, il a repris les vignes quand il est revenu à Champlí. On s'aperçoit qu'on est parents avec la moitié de
la moitié de Champlit, comme on est cousins un peu avec les Mexicains. C'est la même chose là-bas. C'est même pire parce qu'ils se sont mariés pendant presque une centaine d'années uniquement entre Français. Alors sur cette photo, vous avez les Meuniers Henriot. Alors ici c'est le père Meunier et son épouse Margarita Henriot. Ils se sont tous installés à San Rafael. Et bon, toute la famille est copropriétaire de l'hôtel Meunier. Hein, je crois qu'il y a à peu près tous les métiers dans cet hôtel. Ils ont chacun leur appartement, leur partie et leur commerce. Muévelo mi negro pa' que sienta el sabor, muévelo mi negro pa' que goce el calor, muévelo mi negro pa' que goce el sabor, déjate mi negro que te escurre el sudor. Antonio, nacido en México, enseña el español desde hace varios años en Nice. Cada vez que la ocasión se lo permite, él vuelve a San Rafael para mantener las raíces que le unen a la ciudad donde nació su madre. Cuando on allait visiter la famille des amis, il y avait toujours des remarques sur le physique, du style, oui, voilà le petit français, oui, t'es vraiment pas mexicain. Donc, je pense qu'à partir de là, il y avait des questions qui commençaient à se poser. Et puis, quand je suis arrivé à Saint-Raphaël, qui a eu plus de contact avec ma famille maternelle, qui était plus. Qui était restée déjà dans la région de Saint-Raphaël et qui avait plus de tradition, si vous voulez, française. C'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi tout le temps on me prenait par un petit étranger et on me disait « oui, t'as pas l'air d'être mexicain » et tout ça. C'est peut-être ces moments-là où j'ai commencé à m'identifier à l'histoire de Saint-Raphaël qui a réveillé en moi l'intérêt pour les différences culturelles et puis pour les immigrations et tout ça. A raíz de la Revolución Mexicana, los colonos se querían mexicanizar, se mexicanizaron y perdimos el idioma. Nuestros abuelos no nos enseñaron el idioma. Ellos hablaban en francés, pero a nosotros no nos enseñaron el francés, porque querían que fuéramos mexicanos, para que no tuviéramos problemas. A nosotros uno de los insultos que nos hacían en la escuela cuando éramos chamacos era que nos dijeran francés aguado. Y no queríamos ser franceses, ¿no? Y ahora cambió mucho esto. Ya cambió con la venida de los primeros colonos aquí. Ya queremos volver a ser franceses otra vez. Así fue en realidad, ¿no? Desde hace más de un siglo, los colonos se han distinguido por la creación de una nueva raza bovina, resultado del cruzamiento entre la cebú, conocida por su resistencia al clima, y la raza de Montbéliard, apreciada por la calidad de la leche. De este modo, ha podido sobrevivir una tradición de la región de Champlit. Así. Es menos chile, ¿no? Menos chile, sí, menos chile. Ahí, sí, porque nomás es una. Ahí le quitas, ¿no? Ahí le quito, sí. Con mariscos la cancayé, muy sabrosa. Le meto usted camarones aquí adentro, hervidos. Esa es la forma como la comemos aquí en México. Me empecé a documentar sobre lactología a base de libros. Tuve en mis manos un tratado de la Universidad de Nancy sobre lactología muy bueno, que me ayudó bastante. Y en Francia, según tengo entendido, tengo un libro de francés ahí que dice que la hacían debajo del edredón, porque era el lugar más caliente de la casa. Aquí lo pone, aquí no necesitamos meterla debajo del edredón. Normalmente puede probarla. ¿Tienes? Ya les enseñamos a unos franceses que han venido de Champlit a comerla con chile. ¿Les gustó más? ¿Un mexicano comiendo cancayot? Mm-hmm.
très bon. La particularidad es que son tumbas antiguas y que son copias de las tumbas francesas, pero ahí está mal escrito. Y de Fallé, pues nunca la había escuchado. Para mí es de CD. Bueno, acá está la tumba de una persona muy importante, que fue Alfonso Couturier Vernot, conocido como el tío Foncho. Hizo todos sus estudios en Francia y allá presenció y estuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y por ejemplo, la famosa fiesta del 14 de julio, él la preparaba y todas nosotras salíamos las jóvenes vestidas a la usanza antigua, francesa, y luego nosotras a los lados, vestidas pues de alsacianas, las que iban a los lados de alsacianas francesas, ¿no? Y se hacía un desfile dentro del salón y era... Fueron épocas muy bonitas aquellas. Ahí frente al parque existía una escuela y esa propiedad fue de mi abuelito Luis Meunier Duañó. Entonces en esta escuela fue donde dio las clases don Paul Mitra. Por muchos años, no sé si 6 o 7 años estuvo él acá. Y todos en aquella época tenían una pronunciación completamente francesa, francesa, porque inclusive mi padre tomó las clases con él. Y la primaria salieron tan preparados, estudiado no solo primaria, sino secundaria y preparatoria. Y con el acento netamente burguiño de la Borgoña, porque muchos franceses que venían platicaban con mi papá y les preguntaban, pero usted no aprendió el francés aquí, usted estuvo en Francia, ya lo aprendió, allá nació. Creían inclusive que allá habría nacido, porque su acento era totalmente de la Borgoña. Mi papá se llamaba Arturo Meunier Briones, se sentía más francés que si hubiera que mexicano. Era un orgullo que en sus venas corriera sangre francesa, ¿no? Su Francia estaba muy lejos, pero sin embargo era... Y llegaba algún francés que de repente venía, pues sabían que él hablaba francés o no faltaba quien les informara, entonces siempre acudían a él a visitarlo y a platicar con él, y él los atendía y los recibía pues con mucho cariño, porque le gustaba practicar el idioma, cosa que no había ya con quien hablarlo, ¿no? Bon, alors voilà, Belin Frillonnet. Ça, c'est une autre famille qui est liée aussi au Mexique. Aïda Belin au Mexique est profondément marquée par l'histoire, et c'est elle qui, pour le moment, est la gardienne un petit peu de cette histoire. Nous sommes devant la tombe de Ferdinand Oudot, qui est mort à Veracruz en 1865. Ça, c'est l'intervention française au Mexique avec Maximilien d'Autriche. Mais sa famille était partie au Mexique et il y avait des Oudots le long du fleuve Nautla. Et je voudrais bien qu'on puisse garder cette croix, qui serait un espèce de repère aussi dans l'histoire de cette immigration vers le Mexique, quoi. Doña Aida, ¿y esta casa, quién fue el primero que la habitó o cuándo la construyeron? No, mira, la primera persona de la familia Belin fue el señor Pierre Belin, que llegó aquí en 1836. Lo que yo no sé es si él construyó esta casa o fue su hijo, Luis Belin, el que la construyó, porque anteriormente vivieron en Jicaltepec. Y de Jicaltepec pasaron aquí. Esta es una fotocopia de la bisabuela, Masmer.
la que vivió en esta casa. Ella vino de Colmar, preparaba la chucrut que le nombraba. Y esta otra es de mis tías abuelas, tías de mi papá. Son las cuatro hijas. Y a nosotros cuando chicos nunca nos obligaron a hablar francés. Más bien lo entendíamos. Ya casada, me entró la inquietud de ir a Francia, porque yo tenía amistad con una señora llamada Céline Cancien, que es muy conocida aquí y allá en Francia. Yo la visitaba porque me gustaba escucharla hablar francés. Y supe que iba a ir a Francia. Entonces yo le pedí como favor que investigara con el padre de Mar si existía familia Belina y en Champlit. Ese fue el encargo que yo le pedí. Entonces regresó y ya me dijo que sí, que había dos familias Belina y en Montarlot. Y en el segundo viaje de Céline Cancien, yo mandé una carta diciendo que pues estaba yo muy contenta de saber que había familia ya en Francia. Ajá. Entonces me escribieron que si quería yo ir, que cuando yo quisiera. Y eso fue lo que a mí me motivó. Como yo ya tenía la invitación de la familia Belina, me fui con Céline. Ça c'est une photo de la famille Belin, mais oui. Qui date bien avant qu'on ne se rencontre. Hein. Ah, c'est Aïda qui nous l'a. C'est la maison Belin, des ancêtres Belin. Mais c'est comme ça plus d'accord. Que ça. Hein, c'est la maison de Pierre Belin. Mais c'est la maison de la maman de Aïda, non? Voilà, c'est voilà. La maison de la maman oui, de Aïda. Oui, la maman d'Aïda habite dans l'ancienne maison oui, de oui. La famille Belin. Oui. Mais Aïda, comment vous l'avez rencontrée, Aïda? Comment on l'a rencontrée? Tiens, voilà. Voilà la photo, elle va vous expliquer. Voilà la photo de sa première... Sa première, voilà, Céline Cancien était venue pour la première fois à Champlit. Elle apportait une lettre d'Aïda qui recherchait ses origines. D'accord, ok. Voilà, et alors quand on a répondu tout de suite qu'on était prêt à l'accueillir, il y avait notre fille qui venait de se marier, on lui a envoyé la photo de mariage. Et l'année après, Aïda est venue... à Montarlot avec Céline Cancien. Avec Céline Cancien. Et là, c'est la première fois qu'elle est venue. C'est la première fois qu'elle est venue. Elle est restée deux mois. Personne ne m'avait dit qu'elle parlait français. Alors j'ai dit, mais si on est là un mois, comment se regarder comme ça? Et comme elle parlait français comme nous, comme elle parle toujours. Non, elle s'est bien améliorée. Elle s'est améliorée, mais enfin, elle parlait très très bien français. Oui. Donc, mais le français, elle l'avait appris. Ah, elle l'avait conservé. Enfin, c'était l'avait conservé sa grand-mère. Elle lui avait transmis. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent français. Qui parlent français. Non, on avait depuis aussi. L'enfance, quoi. On avait Arturo, ton copain. Oui. Et Arturo Terrel, donc de San Rafael, parle le français de naissance. Ya no platiqué yo con mis abuelos, no. Ya es solamente con mi abuela materna. Mi bisabuela materna, esa todavía me tocó platicar con ella. Vivió muchos años todavía, ya era yo grandecito cuando murió. Pero la tita apareció, primero murió su esposa. Antes de que muriera, pues él había hecho algo, ya estaba bien. Todos los hijos casados, acomodados más o menos, ¿no? Y él decía, yo voy a morir en France, ¿no? Alors, la grand-mère disait, moi, je ne veux pas aller tourner en France. Moi, je veux... Mais il y a un hombre là-bas. Non, moi, non. Et puis, ils trouvaient la différence entre aller à mourir en France et aller à mourir en France, non. Elle, non. Alors, parce qu'elle est morte avant. Lui, quand il y a, il a été plus vieux, il a perdu un peu la mémoire, non. Puis, il prenait son bâton. Puis s'en allait. Il allait le chercher, ma grand-mère allait le chercher. Mais qu'est-ce que vous allez faire, où vous allez? Je me vais en France avec son bateau. Et toi, Luciano, on sait pourquoi tes ancêtres ils sont partis. Et ouais. Puis toi, pourquoi tu es revenu nous voir? En fait, parce que je connais un petit peu cette histoire. C'est très intéressant pour moi cette histoire, pour connaître d'où vient moi, d'où vient ma famille, d'où vient les noms blancs, et
Mais j'aime bien l'histoire comme ça, la généalogie. Mais maintenant, je connais ça et je veux connaître mon histoire. Mmh. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens au Mexique qui oublient ça, ils sont pas intéressés pour savoir qui étaient. Oui, tu sais que tes ancêtres Los descendientes de franceses se han instalado a lo largo de 30 kilómetros de ambos lados del río Nautla. En Chapachapa, límite oeste de la colonia, fueron los migrantes de los Pirineos los que han cultivado la tierra. Al igual que los demás, ellos se han integrado desde hace mucho tiempo, pero su apego a la cultura francesa se ha mantenido gracias al trabajo que le han permitido sobrevivir. Sin embargo, todavía hoy hay que continuar luchando. La tierra es fértil, la gente sabe trabajar, pero hay muchísimo intermediario hasta llegar a la mesa del comensal. Entonces ahí hay una cadena que hay que romper para que en un momento dado se pueda llegar más directamente al mercado final y eso traiga consecuentemente mayor dinero al productor. Y entonces entre todos esos intereses y los cambios políticos estamos en este momento navegando, digamos, ¿no? Esperamos que salgamos bien de la situación y se perfile a una apertura mucho mayor democrática y que nos permita las alternancias que son las que dan en todos los países avanzados la oportunidad que lleguen unos y otros y cada uno vaya aportando lo mejor de sí hasta conformar pues una sociedad plural que es la que formamos parte todos en el mundo, ¿no? Moi, quand on était gamin, j'ai jamais entendu mon grand-père, qui avait pourtant de la famille des descendants là-bas, parler de ça. C'était complètement zappé. De même qu'on a des cousins à deux générations qui sont on ne sait plus pas où, puis qu'on ne connaît plus, qu'on a oublié. Par contre, c'est vrai, c'est retombé à peu près en même temps que la recréation du vignoble. Et c'est vrai que l'histoire, elle a intéressé les gens de Champit, hein, moi y compris. Je me dis que s'il y avait une petite niche là sur Saint-Raphaël, etc., ça pourrait être amusant, on va dire, entre guillemets. Mais autrement, je sais que l'exportation, c'est quand même, faut quand même être solide, quoi. Hein, parce qu'après, il y a une concurrence très très forte. Mais c'est vrai que l'idée de vendre un petit peu à Saint-Raphaël, ou ça me plairait bien, quoi. Mais. Conquérir le Mexique, je me sens pas de taille. Débiles, de los indefensos, de los que tienen buena voluntad, de quienes están bajo mi responsabilidad. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu Después de casi dos siglos, los descendientes de los colonos de Champlit han logrado asumir el desafío de mexicanizarse sin renunciar u olvidar sus orígenes franceses. Si para integrarse fue necesario ocultar durante algún tiempo su identidad francesa, el trabajo de memoria realizado en ambos lados del Atlántico permite hoy en día
revivir el interés por el intercambio entre las dos culturas. El hecho de que diga Casa de la Cultura, mucha gente se siente excluida. Cultura ha de ser algo para gente o para gente instruida. Yo ni terminé la primaria, yo para qué voy a ir. Tienen una idea muy equivocada de lo que es cultura. Es para solamente las personas que estudiaron. Yo hasta ahorita no sé ni de qué hay clases ni si está funcionando, o sea, no. Y mucha gente así pasa, o sea, porque no hay información. Pasa desapercibido y dicen, no, pues esto es para... Pues sabes de la Casa de la Cultura. Sabes que está la Casa de la Cultura, más no sabes si está... Si, lo que te va a ofrecer o lo que te está ofreciendo. Si hay algo, si hay clases. Aquí se ve más que como el lugar principal de la mezcla de los franceses, porque hay más gente blanca y allá casi por lo regular se ve más morenitos, más mestizos, se ve más mexicanos. Y sin embargo, es el lugar donde hay más casas y donde se presenta realmente la imagen de los pueblos franceses con este pueblo de Jicaltepec. Y por lo mismo de que aquí mucha gente lo visita, pues tiene uno que saber, yo pienso que aunque sea lo más esencial o lo poco, porque si no se va perdiendo esa costumbre o ese sabor que debe de haber en este pueblo, de que pues llegan visitantes de Europa, de Francia, y solamente las personas mayores, y ya de ahí no más. Y es algo que es bonito, que pues ahora sí como, pues como uno que aprende uno poco y tengo unos interés de conocer un poco más de... pues de ellos y del lenguaje un poquito más interesante. En un barquito de vela, navegando por el mar, a la otra de mis amores, tendré que llegar, tendré que llegar. A la otra de mis amores, tendré que llegar en una choza de palma y de guano, que tengo en la plaza, seremos felices. Así vivimos los veracruzanos, los que del mar sabemos vivir. Así vivimos los veracruzanos, los que del mar sabemos vivir. De palma y de mano, que tengo en habla, seremos felices. Así vivimos los veracruzanos, los que del mar sabemos vivir. Así vivimos los veracruzanos, los que del mar sabemos vivir.